70 kilos, très belle finale avec Hamza Diallo de la Hatch Academy, opposé à Nessim Kétou, donc de la team tactical à Toulouse. Alors combat très très engagé, ça s'est joué à pas grand chose à mon avis. Je sais que Nessim est beaucoup déçu. Et encore une fois, il fallait un vainqueur et Hamza a démontré que en termes d'anglaise, il était supérieur à Nessim. Nessim lui a montré que sur les phases au sol, était certainement supérieur à Hamza. Il fallait départager les deux et les juges ont décidé que Hamza était devant. Donc on félicite Hamza Diallo, qui est un petit jeune qui aujourd'hui maintenant se retrouve à 10 victoires et 2 défaites, ce qui est pas mal. Et voilà, un petit jeune prometteur qui va travailler et puis être de plus en plus complet.